La Wallonie regorge d'espaces naturels, abritant une flore et une faune remarquables, mais parfois menacées. Cette magnifique biodiversité, il est de notre responsabilité de la conserver. C'est en protégeant ce patrimoine naturel que nous nous protégeons nous-mêmes. Cette nature, on doit la préserver, et justement, vous pouvez agir. Vous avez un terrain sur un site Natura 2000, un site de grand intérêt biologique ou encore un espace où la nature pourrait reprendre sa place? En tant que propriétaire ou gestionnaire privé ou public, vous pouvez mener des actions visant à valoriser ces richesses. Et ce partenariat homme-nature, essentiel, vous pouvez participer à sa mise en place. Pour vous aider à mener à bien ces actions volontaires, il existe des subsides pour entretenir ou restaurer des milieux semi-naturels. Ces subsides sont destinés à réaliser des travaux qui vont améliorer l'état de conservation des habitats ou des espèces Natura 2000. Par exemple, du débroussaillage, du déboisement ou des plantations, de la pose de clôture pour la gestion par pâturage, de la création de mares ou des aménagements pour la faune. Mais comment fait-on pour en bénéficier? Quelles sont les étapes à suivre? Pour vous expliquer tout cela, on va voyager en Wallonie pour voir concrètement comment ça se passe avant, pendant et après les travaux. On commence par la vallée du Biran à Pondrôme, près de Bourin. Moi, je m'appelle Marc-André Hénin, je suis producteur de lait en bio depuis 2009 et on transforme une partie de notre lait en fromage et en beurre. C'est une parcelle que je connaissais très bien quand j'étais petit et que je réapprends à découvrir, en fait, qui est hyper riche, qui était juste à côté de chez moi. En fait, on a envie de trouver un meilleur équilibre au niveau de notre ferme entre biodiversité et production alimentaire, entre guillemets intensif, parce qu'on essaie d'avoir une production de haut niveau et de haute qualité sur les autres parcelles. Mais en faisant une rotation au niveau de nos animaux, on arrive à avoir des parcelles où on a beaucoup de biodiversité et des parcelles où on a une haute production. En découvrant cette parcelle, je ne la connaissais pas, je ne savais pas toutes les possibilités qu'il y avait, toute la biodiversité qu'il y avait. Et plus on travaille dans cette parcelle, et plus je me rends compte qu'il y a une biodiversité qui est exceptionnelle, et ça donne envie d'encore améliorer cette biodiversité en la restaurant encore plus. Si vous aussi vous possédez ou gérez un terrain, peut-être présente-t-il un potentiel écologique pour maintenir ou favoriser un habitat ou une espèce Natura 2000. Ce potentiel naturel a été évalué et cartographié en Wallonie par des spécialistes du DEMNA, le département de l'étude du milieu naturel et agricole du service public de Wallonie. Lorsqu'un projet s'initie, le DEMNA ou d'autres spécialistes peuvent intervenir pour assurer la cohérence entre le potentiel écologique, les travaux à mener et ce que veut faire le propriétaire de son bien. Retrouvons sur ce terrain Daniel Titeka, botaniste. Voilà justement une première orchidée que nous voyons ici, qui est assez colorée, assez spectaculaire. Oui, il s'agit de l'orchis pourpre, la bien nommée. C'est une des quelques espèces d'orchidées qu'on peut trouver ici. On a une dizaine, une douzaine d'espèces. On essaye de fort favoriser, de gérer, de restaurer ce type d'habitat qui est témoin d'une grande biodiversité. Ici à Pondrôme, la parcelle répond aux critères pour entamer un projet de restauration. Il s'agit d'une pelouse calcaire qui est un habitat Natura 2000, traditionnellement entretenu par pâturage. Avec le temps, le site s'étant embroussaillé, des subsides peuvent être octroyés pour aider à sa restauration. Chacun peut en fait monter lui-même son projet et introduire sa demande de subsides. Vous pouvez aussi être aidé gratuitement. C'est ici qu'interviennent les conseillers Natura 2000 de Natagriwal, ici Mathieu Alford. Nous, on peut aider le propriétaire à introduire sa demande de subvention et on l'accompagne de A à Z dans tout le processus. Ça va de l'expertise biologique initiale jusqu'à la définition des travaux de restauration ou d'entretien à faire. Donc ici, ce qui me semblerait pertinent de faire, c'est de réouvrir un peu la végétation, notamment sur un couloir de 2 à 3 mètres de large pour te faciliter l'entretien des clôtures. Et là, renforcement du coup des piquets de clôture qui sont quand même tous un peu instables. Et il y a ceci là, donc il y a une parcelle là, il y a l'orchidée, la partie orchidée, ouais. La partie où on est maintenant qui est ici. Ouais, il y a une clôture qui passe là. Hein. Ouais. Ouais. Moi j'aurais tendance à garder ce bloc là à part pour pouvoir laisser cantonner les animaux dans cette partie là et vraiment les forcer à s'attaquer aux ligneux. On financerait les piquets métalliques avec les fils électriques et toi tu n'aurais plus qu'à électrifier. Et là, tu pourrais y mettre tes bovins. D'accord.
Je vais le noter. Une fois qu'on a bien précisé les travaux, on fait le relais avec l'administration, puisque c'est eux qui octroient ces subsides. S'ils nous donnent un avis préalable positif, là on peut aller plus loin, faire une deuxième visite de terrain pour mieux préciser les travaux, avant l'introduction du coup d'un cahier des charges qui précise clairement les travaux et qu'on va soumettre à des entrepreneurs qui vont ensuite nous remettre un devis. Et si cette demande de subside est octroyée, à ce moment-là, les travaux vont pouvoir se réaliser. Donc on fait aussi le suivi du chantier. Le montant des travaux sera remboursé à 100% par l'administration. Allons voir un autre projet du côté de Stoumont, où des gros travaux de restauration sont en cours. Ben, on y est, hein. On est sur la zone à restaurer. La zone avec les bouleaux, c'est la zone où il faut venir planter les chênes pédonculés. On a la zone de l'Inde en dessous, et donc en fait, entre les deux, on va venir installer la fameuse lisière forestière pour apporter de la diversification. Et donc dans la zone ici en aval, on va implanter la mare qui est juste ici derrière. Ouais. Et alors on voit les quatre ex-clos qui sont en préparation pour accueillir les genévriers. Oui, c'est ça. On va acheter un coup d'œil. OK. Donc ici, on a ici c'est un propriétaire privé qui a demandé les subsides pour un projet de restauration sur plus de 80 hectares. Toute une série d'acteurs sont présents par rapport à la réflexion du projet. On fait notamment appel au département Nature et Forêt, mais aussi aux scientifiques de la région Wallonne. On tient évidemment aussi compte des envies du propriétaire qui a envie de mettre en valeur son site. Quelle hauteur d'eau est-ce que tu as prévu au maximum ? 1,40 m, je pense. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir des zones d'eau peu profondes pour que les batraciens puissent profiter de zones d'eau plus chaudes. On est présent sur le chantier, en fait, durant les travaux pour s'assurer que tout se passe bien. Dis, la griffe de dérivation, tu me l'as faite de ce côté-là ? Oui. En fait, il y a le cours d'eau qui est juste là. Ouais. Au niveau des travaux subventionnés, finalement, la réponse est simple. C'est tous travaux qui améliorent un habitat ou une espèce Natura 2000 peuvent être subventionnés. Ça peut être des clôtures dans le cadre de restauration de milieux ouverts type agricole. Ça peut être creusement de mare. Ça peut être dans ce cadre-ci, on plante des arbres pour recréer une forêt feuillue. On peut avoir des décapages, on peut avoir des broyages de parcelles. Finalement, c'est très varié, tant qu'on fait une action en faveur d'un habitat d'une espèce Natura 2000. Et tous ces travaux, qu'ils soient de grande ampleur ou non, sont subventionnés à 100%. Au moment où on parle de changement climatique, etc., je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que la nature a un grand rôle à jouer et justement de s'y investir encore plus en participant à des démarches telles que celle-ci pour participer au maintien de l'environnement. Tous ces projets à travers la Wallonie sont autant de bulles d'air pour la biodiversité, et ce grâce aux actions volontaires des propriétaires et gestionnaires. Pas mal, non ? Prenons maintenant la direction de Fauvillers, où nous allons découvrir un projet de restauration achevé. Plusieurs associations de conservation de la nature réalisent des projets de restauration. Retrouvons Marc Ameels du département de la nature et des forêts et Marc-Antoine Hagens de l'association Ardennes-et-Gaume, et voyons comment, une fois les travaux finis, même s'ils sont impressionnants, la nature renaît de plus belle. Mais on voit déjà dans la mare, ça... Avec la période de sécheresse, il y a quand même encore de l'eau, donc c'est plutôt bon signe. Oui. Et il y a encore des libellules. Ouais. Assez bien même, oui. Ouais. Ça, c'est intéressant, et la végétation s'y développe déjà, donc... Assez rapidement, hein. Une grenouille, je pense, qui vient de partir. Oui, oui. Puis on voit quand même qu'au niveau d'accueil pour la faune sauvage, quand on voit toutes les traces au sol, oui. Elle remplit aussi quand même un rôle de, il y a du monde. De point d'eau. Voilà, oui. Les objectifs sont atteints, on va dire. On peut peut-être maintenant se déplacer pour aller voir la zone qui a été restaurée. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme espèce déjà caractéristique? Ici, on voit l'Achillée sternutatoire. Là, oui, tu en as une. Effectivement, l'Achillée, oui. Donc ça, c'est déjà un bon point, hein, comme ça, directement après restauration. Je vois qu'il y a quand même, a priori, du gaillet de Hartz aussi, qui est une espèce caractéristique de l'Anardais, l'habitat qu'on essaye de restaurer ici. Évidemment, il y a aussi toute la question de la faune qui est liée. Hein. C'est quand même comme beaucoup d'insectes, toute une série de papillons qui vont fréquenter ces zones. Donc ça vaut le coup à plusieurs niveaux. Après la vérification administrative et sur le terrain par le département de la nature et des forêts, le montant des travaux est remboursé. De parcourir une parcelle directement après projet, quelques années après, et de voir vraiment toute cette biodiversité qui se réinstalle dans un peu tous les groupes, hein, floristiques, dans les insectes, les oiseaux. Il y en a un peu pour tous les goûts, et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment aussi ce sentiment de participer à quelque chose qui nous dépasse un petit peu. L'intérêt du propriétaire,
il est clairement de participer à cet enjeu de la biodiversité, de la recréation, de la restauration des habitats pour que ces espèces continuent à subsister pour l'avenir et pour les générations futures, parce que je pense que c'est un enjeu important et c'est vraiment ça l'objectif et l'enjeu des propriétaires, c'est de vouloir participer à cet effort. Et donc il y a ces subsides Natura 2000 qui sont là pour faire en sorte que effectivement, il y a une bonne gestion du milieu pour les espèces et les habitats qu'on cherche à protéger. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de mener des actions de restauration pour les habitats et les espèces qui ont vu bien souvent leur état se dégrader. Alors que vous soyez un agriculteur, un éleveur, un forestier, une association, un propriétaire, une commune ou toute autre administration, n'hésitez pas à introduire une demande auprès du département de la nature et des forêts du service public de Wallonie ou à faire appel gratuitement à un conseiller de l'association Natagriwal pour bénéficier des subsides à la restauration écologique. Et ensemble, protégeons la biodiversité.